Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas au studio de votre chaîne ActuBuzz Télévision, mais nous sommes sur terrain. Nous sommes précisément dans la commune de Lemba, quartier Livoulou, sur l'avenue de l'université. Cette avenue qui, après des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa, avait été coupée en deux. Le président de la République avait effectué lui-même le déplacement pour venir s'enquérir de la situation. Il avait également réconforté la population de cette partie de la ville de Kinshasa. Il avait également profité pour l'occasion pour donner les go de la réhabilitation ou de la reconstruction de cette route qui va jusqu'à l'université de Kinshasa en passant par l'intendance. Mais jusqu'à ce jour, comme vous pouvez le constater à travers ces images, les travaux marchent à pas de tortue. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui bloque, pourquoi cette lenteur dans l'exécution des travaux liés à la reconstruction de cette avenue. On va tenter d'aborder quelques Kinois ou quelques citoyens habitant ces quartiers pour savoir les pourquoi de la lenteur de l'exécution de ces travaux. Alors sans plus tarder, je vous laisse d'abord suivre ce qui sera la réaction de certains Congolais, de certains compatriotes rencontrés ici sur l'avenue de l'université en rapport avec la réhabilitation ou la reconstruction de cette avenue. Suivez. Et bonjour. On vous a trouvé ici sur l'avenue de l'université, vous êtes certainement usager de cette route. Comment vous expliquez aujourd'hui la lenteur dans l'exécution des travaux de la reconstruction de cette avenue? Oui, ça n'avance pas depuis l'arrivée du président, quand le président Félix est venu ici. On attend qu'on démarre le travail, mais on voit absolument qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Donc c'est l'université ici, nous avons ici l'université de Kinshasa, qui renie l'université de Kinshasa jusqu'à Rompoengaba. Mais on ne voit pas le travail, les gens souffrent. Allez voir à mon centre là-bas, comment le véhicule passe là-bas. Nous, par exemple, moi, je suis un enseignant, mais pour le moment, je me débrouille avec ma moto. Mais je te dis que les gens souffrent. Il n'y a pas les déplacements. Comment il peut filmer? Comment les gens peuvent se déplacer comme ça? C'est difficile. Comment expliquez-vous aujourd'hui la lenteur dans l'exécution de ces travaux alors que le président était lui-même passé ici? Bon, depuis que le président a passé, et on ne voit pas des travailleurs, on ne voit pas des tracteurs, on ne voit pas de matériel pour travailler, pour abolir ces routes et pour que ça puisse finir, pour relier l'université de Kinshasa et rond-point. Absolument, on ne voit absolument rien. Le travail ne tourne pas, ça tourne toujours à rond. Qu'est-ce que vous lancez comme message aux autorités aux autorités du pays, au président de la République et au gouvernement dans son ensemble? Ok, premièrement, je félicite le président Félix Tshisekedi d'avoir lui-même arrivé sur le terrain. Comme il a vu cette difficulté, en tout cas, c'est cette opportunité qu'on lui donne en tant que président de faire le suivi de son travail. En tant que président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je vous remercie, mais ce que je vous dis, en fait, que le président met en exercice ce travail, que ça puisse finir. Merci. Ok, je vous remercie. Nous sommes à côté avec d'autres motards. Tukutu Fandi Likola Motona Awa na avenue de l'université Nzela depuis Kabwana, président le Kara pour nous réconforter Bino et puis pour lancer misala ya reconstruction Nzela Meti Lelo Mambezo Tambola Malembe Ming. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'enterre en exécution à misala? Bon, biso ba petit peuple toujours regretté du fait que président le Kara Awa a pesi mitindo ya ke basala Nzela to mona ki babandi pe ko sala Nzela. Il est arrivé à un autre moment, tout le monde a stoppé, tout le monde comprend que c'était ça. Et puis, il y a eu un autre monde aussi, et par après, le président a été soutenu pour la deuxième fois. Alors, jusque-là, depuis qu'il a été pour l'ami Balewana, il y a eu un autre monde qui a été fait, et il y a eu un autre monde qui s'est passé au juste, tout le monde a regretté. Alors, Lelo, est-ce que vous avez eu un transport dans le monde? Tout ça, malamu penza penza te. Puisque d'abord, à ou passage, ya a te. To ya ka longa université ti rond-point. Ah, c'est quoi tellement tout le temps au côté de ma moto boy. Ça veut dire que passage est à te. Alors, moyen to kende ka rond-point est à te. Tala, batoso ya rond-point, batoso suka kuna, biso peto zo suka awa. Donc, transport est à penza penza bien te.
Le message que nous relancer dans l'autorité à Yamboka. Le message est qu'il faut que l'autorité soit en place. Si vous avez des gens qui sont en place, il faut que les gens soient en place. Et ça, c'est que ceux qui sont en place, ils se retrouvent avec leur famille. Il faut que les gens soient en place. Il faut que les gens soient dans le sens que les gens soient en place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mote papa. Oui, mote papa. Donc, si vous avez une moto, une circulation, une malamouté. Qu'est-ce qui explique les lois et lenteur topé, disons lenteur dans l'exécution et les travaux? Bon, merci papa pour la question. En tout cas, tous comprennent des tests, surtout dans le Congo ou bien surtout dans le Wapi. Parce qu'on ne comprend pas Nzela Oyoyo, ça fait déjà beaucoup de temps. Mais tous ont une réaction, mon côté, depuis Misala et Stopa. Donc, le passage est arrivé, même dans arrivé, même dans Nzela Mitukezo, ils ont dévié, même dans Nzela Zoleka Mitukezo. Est-ce que les Kakabamona, les autorités passent là? Tout le temps, bazo le kawana. Mais bazo mona, absolument zolo bila bango rien. Tout ça, ba congolais bien, tout mo kango tout lingiango bien, tout lingiango te. Bango ba vandi bizo tsa bango be sika wana parce que ba si verbe ba misala tout ça. Ba misala ba landela ka te, tout ça ba si fe ka te. Donc Congo tozo comprendre Congo zo kende wapi. Ba député a ya secteur na binou est-ce que bazo au courant ya situation? Oui, ba yebi to vota bango. Deni ni élection ba sai ki wapi. Il y a quelque chose pour nous pour bango. Alors, il y a un parlement, il y a un dialogue, il y a un suivi, il y a un tout ça. Donc, il y a un souffle, il y a un Congolais, il y a un peuple Congolais qui souffre. Le message n'est pas l'autorité en Mboka par rapport à l'enteur dans l'exécution de Misala Yanzela. Bon, il y a un rôle, il y a une volonté. D'abord, il y a une question de volonté. La volonté, d'abord, il y a une volonté malam. Parce que si on a malam, il y a un bien de la bango, il y a un famille de la bango. Donc ils n'ont rien où avancer dans le Congo. Pour le Congo avancer, il faut que les gens soient parce que les gens sont Congo. Donc question un message que vous lancez dans le Congo. Ceux qui sont en Zali, en tout cas, ils sont là. Tellement que vous êtes en Congo, le Congo est couffé dans la façon dont et surtout, ils là où ils sont. Merci, Mingine. Ok, merci. Bon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes habitant du quartier Livolo? Non, je suis habitant du quartier Kindele. Et qu'est-ce que vous faites ici sur l'avenue de l'université? Bon, je suis motard, je travaille. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrêt des travaux visant à reconstruire cette avenue, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez comme il se doit? Bon, en tout cas, pour nous, les motards, ça nous profite. Mais pour les gens, c'est-à-dire en circulation, vraiment, il y a une difficulté pour les transports à cause de la route. On s'entendait que nous, voilà, après l'arrivée du président, après son passage, nous, on s'entendait que nous, voilà, les gens reviendront pour continuer avec le travail. Mais en tout cas, on est inquiet parce que depuis son passage, vraiment, rien n'est fait. Alors vous, Mota, vous faites ce qu'on appelle communément demi-terrain. Ça vous profite, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous souciez quand même de cette population qui doit payer doublement les transports qu'il paye auparavant? En tout cas, vraiment, étant vraiment motard, nous avons vraiment cette affinité là-bas pour la population. Et on s'aimait vraiment, si on était par exemple les élus de la population, on pouvait peut-être faire autrement. Alors nous avons les soucis là-bas, mais les moyens pour atteindre à ce niveau là-bas, pour expliquer au gouvernement, pour quand même de venir résoudre le problème, vraiment c'est difficile. Mais nous envoyons le message vraiment, nous envoyons le message à ceux qu'ils se souviennent. Parce qu'aujourd'hui, quand nous transportons les gens, vraiment, il y a de lamentation. Les clients vraiment pleurent. Pour vivre vraiment, donc vous voyez, une personne qui quitte Rompoengaba pour arriver au campus, il faut qu'il paye 1500 francs. Alors, il gagne combien par jour pour payer vraiment ce montant là-bas? Alors, c'est pourquoi nous implorons vraiment, vous, comme vous êtes venus, en tout cas, prière, nous faire arriver ces messages là-bas pour quand même venir résoudre les problèmes. Comment expliquez-vous aujourd'hui la lenteur dans l'exécution de ces travaux? Parce que nous devons rappeler que le président de la République avait quand même passé ici. Bon, vraiment, à ce qui concerne vraiment la lenteur, je trouve que c'est un problème purement politique, qui peut-être moi j'ignore. Je ne sais pas, il y a deux camps. Alors, nous avons plusieurs ministères. Il y a un ministère approprié pour les infrastructures. Nous avons les OVD, mais en tout cas, je ne sais pas si les moyens manquent. Là, vraiment, donc, j'utilise les conditionnels parce que je n'ai pas la précision. Mais en tout cas, quant à moi, je trouve que non, voilà, il y a un problème de finances. Parce que si l'argent pouvait être là, en tout cas, à cette heure, on pouvait déjà continuer avec les travaux. Votre dernier message aux autorités de la ville?
En tout cas, moi étant analyste politique, je leur envoie vraiment le message de travailler dans le compte de l'intérêt général. En tout cas, qu'ils se souviennent de la population parce que c'est à eux. C'est à eux le droit. Nous leur avons envoyé là-bas pour plaider en notre faveur, mais on est en train de stigmatiser que nous, voilà, ils travaillent pour leur compte. Alors, ils peuvent se souvenir pour nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Toza en est venu à l'université, Misala, ils ont avancé, depuis chef de l'État, les cas qui circulation est comme difficile. Alors, comment vous avez expliqué les lois, lenteur dans l'exécution de Misala? Bon, biso nanzila oyo te omona musale ezoke ne malembe tro. Eloka liboso tozana ona ne Singapour banda biso te vandia na mabelo oyo te omona président de la République ya na kata campus ya université. Et puis c'est sengo. Mais na misala oyo ya ekuta onet oyo ya banzela oyo tozo souffrir trop bande banda ki ba pesa biso délai ya 3 mois. 3 mois ngo lelo na ebitse soki tozo ko avancer na 5 mois to 6 mois to 7 mois. Moi, je m'appelle Madé Swabana, les haricots des enfants. C'est le seul monteur à l'église, tous les monteurs n'ont succès. C'est bon, c'est la suite est fin. Merci beaucoup. Bon, t'es papa. Vous avez usagé à venir à l'université. Lélo Misala n'a venu depuis chef de l'État, les cas qui ont lancé les travaux de reconstruction à Nzela. Nzela est un bon an. Mais si Lélo Misala a avancé, ni nous avons expliqué lenteur dans l'exécution de Misala. Bon, tout le monde est battu, il y a un bateau qui est là, il y a un bateau qui est là. Il y a un bateau qui est là, il y a un bateau qui est là. Vraiment, biso to sepelage koya ya président tango ayaki pote aya atalela biso makambo anzela aza mwana mboko biso to cheli motema biso nyoso to cheli motema toza sima na ye pote yebike aza mwana mboko matalela biso likambo anzela est-ce que likambo anzela penzela oyo pe umelesa la bambula on dirait que to sengi biloko akolia to ya komela te to lingete abongisela biso banzela ou bien abwakela biso mabanga na nzela wana o wana potalaka batu bazokende ba makolo est-ce que oye komi arrêt abis eza arrêt abis te batu bazo souffrir po na nzela soka taleli biso likamwa nzela asa mwana mboka biso toza na po hein mbula ya avril yango ezoya bo siko yo nzelo ekozala boye député vous tant écoutez bazar au courant la situation mais ba député wana bazar ba le bazar ba yini na biso ba député na biso yo nde bazar ba yini na biso bango nde bazo luka ka mabumu na bango est-ce que bazo luka nani posa na biso peuple député pa bongisa nzela te ezali nde bango nde ba konzi ya mboka nde batala la biso likamanzelo yo merci mingi papa merci papa bon de papa tu es venu de l'université aux armes Mokumbi moto. Tu es là depuis Kabouana. Est-ce que Moussa a bien eu ça normalement? Moussa a eu ça bien. Moussa a eu ça bien pour Nini. Nous avons eu le Monsanto et a bloqué. Avant ça, le projet Oyo, il faut que nous avons eu le Monsanto. Mais il a raison à bien. Le roi a eu le Monsanto qui a trop, il a eu le Monsanto. Nous avons eu le projet, il faut que nous avons eu le Monsanto pour la population souffrir. Projet au Kobanda Bandiango Ti, les lois comme ça, Toki, Dangapona, la monnaie comme d'Inani. Bapesi Bangombongo, Balié. Moutoupe, Azo réagit, t'es que nous moutouloua, Lembongo, soit tout Bomaye, soit tout Tumbaye, Azati. Bazoyaga, Yemo président Betia, détour. Réaction Pesati. Les lois de toi, Boué, Aouez à l'arrêter, Aouez à Prince. Bamboula, Kalatezo Landana. Est-ce que Lobby Nango, Bamapango, Oye Rosala? Tu es battu dans Kinshasa, ce qui Kinshasa est malade, vous allez à Kana Gombe ou Lemba, ah oui, là Kinshasa. Ah, puis Lemba. Malgré ça, mais Lemba est divisé par deux. Pour Lemba, vous allez à Lemba salité. Bah, moi, je dis que Lemba, vous allez à Lemba salité. Et là, normal, tu es. Ne pas à Gombe. Ce qui est basé, Monga Fula, basé qui s'insou, basé partout, et là, le roi à Gombe, ne vous allez bien. Message n'a pas autorité, peut pas député au binôme voter. Est-ce que Bazo va tenir compte de la situation? Bazo le bilan à l'Assemblée nationale. N'a pas l'angaï en tout cas, tu as la tête à la députée dans le Congo. Tu as la voleur.
baba kenda na intérêt na bango na basi na bango basi na bana ba poto to voter tout wo election za te poto ko voter na biso mututé so ba député ba ebo to ko beta bango mabanga bazonga côté ba uti biso moto kangata mutu moko moto ou bien papa moko pousse to keto kocha comme député poto voter ba député to bénéficier te kati na plastique des intérêts oeli ba mama ba soutien des intérêts. Ba kopo ya 500 to so mami ba 500 wale intérêt et intérêt intérêt na biso ezali nzela kolia ba courant wale intérêt population to wale intérêt ba député hein ba député ba kende lo ba na parlement ba beta ba mafia na bango po ba za bambongo na bango to wale intérêt ba député na RDC. Merci mingine. Merci. Mesdames et messieurs, après l'avenue de l'université dans la commune de Lemba, nous voici cette fois sur l'avenue Congo-Fort dans la commune de Kisenso. Mesdames et messieurs, cette route ou cette avenue a été concernée par la construction, ou je dirais les travaux des 100 jours, mais malheureusement, les travaux se sont arrêtés depuis plusieurs mois. L'avenue est divisée en deux, comme vous pouvez le constater derrière moi. Il y a un ravin qui a rendu la circulation en tout cas très difficile. Vous pouvez voir à travers ces images des enfants qui vont à l'école et qui ont du mal en tout cas à atteindre les deux bouts de cette avenue. Conséquence, ils sont obligés de prendre soit des motos, vous avez vu même des vieilles dames prendre la moto. En tout cas, c'est une situation extrêmement difficile à vivre. Et malheureusement, la commune de Kisenso est représentée au niveau de la ville province de Kinshasa par un vice-gouverneur Nerombungu. Mais à entendre la population, ces derniers n'ont jamais fréquenté cette partie de la ville de Kinshasa. Alors, pourquoi ces phénomènes, pourquoi cet abandon de la route? On va tenter d'aborder la population et savoir ce qu'ils pensent. Suivez. Bon, à tout ça, tout justement, na quoi cimetière? Na sepeli mingi na ndengi boye na pesina numbote na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na musana ya malamu zo sana mboka me na zo regreté biso nzela depuis bukana tozo nyokama tozo kemba bon nzela penza ya malonga ezate na ko souhaiter na batu biso to votaki basala effort pote basala biso nzela batindela biso batu basala ka nzela me bazo sala yango convenablement te ako sala yango lelo lobi atiki na ye akei biso bambule kotika lezo buka biso bandaku ezo buka biso mapangu donc makambu ya bongo eza penza malamu te dede tozana difficulté ya mai quartier na biso eza penza na mai ya régie des eaux tozo sala toujours ba mai ya forage na pesi mbote na autorité nyonso bon o balandingai ba sala musala na ndenge oyo esengeli. Merci. Ba élu na bino ya Kisenso ba député bo vota boza même na vice gouverneur wa zamona Kisenso nerombu ba benga kefunga ya fumu banga moyo interpellation na yo ezani to message na ezani ni na ye personnellement parce que ye aza quand même autorité ya ville autorité personnellement makamnanga po na ye ezali na zaka na posa amona na mona ye depuis to vota na mabele kotoyo to mona ka ete mais to vota nerombu à 100% ngai na vota nerombu. Mais na sakana posana mona ye na mabele asala musana na ndenge we longo bani toza na ba chef du quartier ba boku mest ba lekana ka awa tozo nyo kama moko mona bozo cha basaki na mutu pona ko sa musala mais to fota ki ne ombu pote mabele na biso e so pe mo ampleur moko ya malamu na ko souhaiter bonne chance asala musana malamu a contrôler pe na malamu mote voilà toza na Congo Fort difficulté makasi ya il y a transport, disons, il y a circulation, il y a wa. Alors, misala wa bibande ko salema me katana karabu. Est-ce que boye bi raison misala katana la? A raison misala oui katana to e bien. Ezani. A cause ambongo, fe ba financer mbongo, mbongo jo bimate, ne be egyptia ba jo ba fe mbongo e bimapo ba sa misala. Le lo nzela e kaboni en deux, ba mituka e moye e le kabo ezate, ba na ba ok de classe ba obligé a kota na kati a libengi po na robi makoto siko. Message na wezani na wa autorité nyoso bazolanda. Bon, on singa na chef de l'état Antoine Tshisekedi a reçu des biso koto na Kisenso. Na toza difficulté mambo belé. Toza difficulté a mai, toza difficulté courant, toza difficulté nzela. Merci mingine. Ah, merci. Bote papa. Voilà, to kuti yo likola moto wa est-ce que koto yo nzela e kabwani difficulté à transport makasi message na wezani na wa autorité bazolanda. Bonga message na ngezali.
Au moins na mboko yo. Mais des vrais zangité. Au moins ba tino so ba vandi wana, ba luka misala. Abiso zo comme comprendre mboko côté. Mais des vrais zangité, sima ezangité, mabanga ezangité, biti mezangité. Donc babilo ko nyoso yo o ya liboso ya primaire, o esengeli ba tonga mboka ezali. Ezo lango teke eza importé. En tout cas, côté, on a besoin peut-être de comprendre. Par exemple, parce que besoin de là, kobanda nani, kobanda moamba, moi tronçon on a basali à mouke. Vraiment, par rapport, on a dire n'engue cela qui vraiment ton dima qui te que ton quoi coûte la macamba boy. Toza satisfaite. Toza satisfaite, puisque tout le monde a bamboka mususu, nguba oya pamba, mais bamboka wana eza développé. Mais biso e belé bomengo toza lango, mais eloko moko ezo salimate. Vraiment, tala neti awa, toko mi enclavé. Toko mi ko kitana se, pona ko matalikolo, daye toza na risque, moindre mouvement denge batu baso tambula la, baso bouge ma belé, un jour yo kake ebulma e salimi awa. Parce que denge tozo bouge, denge tozo tambula, ma belé ezo komaso na bafante, mo komso omu na kaka atana moi moko boye, ma belé ko ili bato. Après, bakolo banine. Nana er on ande bakoya, tika to bongisa bongisa. Donc, biso koto yo tozali penza très dessus. Toza très dessus, vraiment basa la effort. Basa la effort na mboko yo boyete tala mama lokola nga boye na ash na nga matamoto vraiment vraiment est-ce que ça malam na na zui ba risque na nga nyonso yango kana ebiso mbotika la malam. Merci mingi mama mbote ndeko mbote to kuti awa na avenue Congo Fort difficulté makasi ya transport nzele kaboni par deux misale katana raison ya ko katana misale mwezani. Bon, il y a raison, techniquement parlant, vu que c'est la gestion publique, il y a vraiment raison. Tu as un peu esquisé d'abord pour la bande de Rolanda. Je vais essayer un peu de mélanger ba monoko oyo ba konziambo ka baloba et puis na monoko ya population. Monoko ba konziambo ezali bongo lopoto pour bango ba français, monoko ya population ya Kalingala. Ko y a vraiment raison misala et kataneli, techniquement parlant, nazali mieux disposé ti ya ko yebisa bino, mais oyo nazali mieux disposé ya ko yebisa bino za oyo bana ya Kisenso. Une partie en Banzalemba Bayebi en ce qui concerne commune Nabango. Commune Oyo ya Kisenso, depuis Nzambe à Salamokili, depuis Congo et Salama Congo, ezala jamais na route principale asphaltée. To vande subitement vers les années passées, to moni entreprise égyptienne eye sous appui à financement ya banque arabe babanda kotonga nzela. Mais toujours comme le français nous a dit, le malheur n'a jamais été accompagné. Celle, pour Nabiso Tomona qui a une bénédiction, mais qui bénédiction et salutation à Jida. Les entreprises, wana, baye, bati moli maboulou, parce que tant qu'on a vu que la commune de Kisenso n'a jamais connu une route asphaltée par l'État, donc la population se prend toujours en charge personnelle, ba mec un peu vivre. Sur ces, bachaka bambanga, quand l'entreprise est soi-disant venue pour construire, il y a un effort personnel, il y a autochtone, il y a Kisenso, il y a un bende. Au résultat, une année après, il y a un misala obana ya mboka bana Kisenso bango moko basala et créé une érosion, je dirais que les érosions catastrophiques. Mais jusqu'à présent, et l'entreprise qui est à 500 mètres de là où nous sommes, il y a un intervenir dans la secours de la population. Bakonzi Yamboka, il ne vient pas au secours de la population. C'est plus de 4 mois où la population a commis la route pratiquement non praticable, mais il n'y a aucune autorité. Pour votre intervention, pour votre information, chers journalistes, la commune de Kisenso, c'est la commune natale du ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale. Cette érosion a causé deux morts. Donc je vois l'intervention du ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale Mbikai parce que Azali Eli à Moamba. Commune ya Kisenso Azali moko na kati ya circonscription ya Moamba. Vous avez même vice gouverneur en Erombung. Tous nazo tangela yo bato bazali na kati ya circonscription oyo. Tolongwe wana tokei na premier vice-président ya Assemblée nationale Jean-Marc Kabund qui est le président AI ya UDPS. Azali Eli à Moamba. Parti oyo Azali na kati ya circonscription nae. Pour aller sur le deuxième, ou soit la deuxième personnalité de la vice-province de Kinshasa, de la ville-province de Kinshasa, honorable Nero Mbungu. Yé Azali Mouane qui s'est soundenge mokili mobimba boye baboraka, banga moyo, ebandi awa. Mais depuis Ebanda, je vous dirai,
Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, n'a jamais visité Azaki Awana Inikin, à 2 minutes d'ici. L'honorable Mbikaï, son excellence Mbikaï, le président du parti travailliste, parti Oye Vandina Kisenso Makasi, Nano, Aya Awate, Nerombungu, Awa Soki Bokepa Naye, Alobike, Banga Moyo et Bandi Koti Azalaka. En tout cas, c'est vraiment regrettable. Ça, c'est en termes particuliers. Aussi comme une nation. Comme une nation, commune ya Kisenso, gouverneur ya ville, la Kobete la Yango Tolo Nanini. Ils n'ont jamais un espace commercial public, ils ont un avenir public, ils ont atteint la chambre froide, à part morgue privée, à Bassango, ils ont un hôpital, ils ont un éloque au mon côté, au Yobana, il y a Congo, au Lobakeno. Je suis Congolais de la grande ville province de Kinshasa, j'habite la province de Kinshasa, Nazamo en capitale, non. Donc, qui s'est sorti le bas des points en bas, on sort, bah, quand tu as vu ce bas, tu comme autochtone. Tout ça, la pays, Nabiso, tous vivre en dégâts, Nabiso. Mais ceux qui va moni, que tozali bana ya Congo, tozali bana Kinshasa. Est-ce que depuis Kabila Koma Kabila, 2006, il est devenu président, 2011 président, présentement nous parlons du président Félix Antoine Tshisekedi, il n'y a eu jamais un budget voté pour la commune de Kisenso. Si oui, que le gouvernorat soit de Kimbuta ou de Gentil Ngobila, va interroger le dirigeant à Kisenso. Mbongo a un budget à Kisenso, ba sala na yango nini. Parce que, attendez là, ils ont un financement extérieur. Présentement, là, selon le rumeur principal, nous sommes plantés ou bloqués pour cause. Il fallait financer, il fallait faire des projets bloqués. Bon, ça, c'est le rumeur principal. Le lobby est bloqué pour Nabo. Est-ce que le gouvernement provincial de la RDC, de la ville-province de Kinshasa, n'a pas un budget alloué pour la commune de Kisenso? Kinshasa, pour ton information, ça égorge plus de 3 millions de la population. Bazoze la batuba kufa pe koma kopia gouvernement ministre oyabimana zo kunda ministre oyabimana zo la pobazo po bango za kabongo za kop neti ba o bazana lemba kuna e koma nango kop soki zoe kabila leki bango bazui balier soki batuba sali boe tu vois jusqu'à présent baye basuki kuna kotoyo on a connu de problèmes, on a connu de morts, mais ça fait pas du bien tant que citoyen du pays, ça fait pas du bien tant que moi Nayamboka, ça fait pas du bien ou soit l'honneur de la ville province de Kinshasa. Que le dirigeant congolais sache une chose, tant que ça la action de la population, ce n'est pas une mesure de grâce. Nous sommes aussi les autorités quelque part. Ils sont appelés à servir la population. Bazo ça la biso faverte. Et ça, nous salabapuna qu'il faut basala yango tina souka. Baka ni sate que soki batongi nzela ya Kisenso, ezali basali bana ya Kisenso faveur. Ils ont faverté, ils ont mérité. Ils ont la méritocratie, ils ont la Kisenso, contribuables na bango, mbongo na bango, to kota ba taxe à l'été zokota. Il faut la diviser d'une manière équitanée ou soit équilibrée. En tout cas, merci. 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 Mesdames et messieurs, nous poursuivons toujours notre ronde dans la commune de Kisenso. En tout cas, cette fois, permettez-moi, Naloubana Lingala. Oui, tout ça, mon Kisenso, franchement, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Tout ce qui Congo fort, tout ça, quoi avancer, c'est toujours la Kisenso. Par le biais de Bosokuna, ou de Boulmo, il y a grave qu'on les candidats Zali. C'est là où, pour la petite histoire, fallait relier commune à Kisenso, à l'université de Kinshasa. Mais malheureusement, Misala et Katana, c'est là où beaucoup d'années bilomo Bosomo, on a pas la classe. Difficulté, ma classe, il faut l'organe de classe. Ba mama ou alors qu'il y a des difficultés, ma casse. Zéla, Yakobouka, en tout cas, commentaire mignon, ça les a dit, imagine le bas. Imagine le bas cette fois. En tout cas, nous allons voir. Bilmo Ozomona, Zéla, Yakobouka, ma casse. Zéla, vraiment, Yakobouka. Alors, je me pose la question de savoir, chères autorités, messieurs les présidents de la République, messieurs les premiers ministres, messieurs les présidents du Sénat, madame la présidente de l'Assemblée nationale, messieurs les gouverneurs, toutes les autorités, est-ce que vous comprenez que Kisenso fait partie de la ville de Kinshasa? Est-ce que vous comprenez que Kisenso fait partie de la République démocratique du Congo? Mais c'est une commune enclavée, pas de routes, pas d'espace public. Alors finalement, on se pose la question de savoir, est-ce que vous prenez en compte cette commune? Chers députés, élu de la circonscription électorale du Moamba, Kisenso fait partie de la circonscription électorale du Moamba. Est-ce que vous comprenez cela? Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur Nerombungu,
On vous appelle Fumabanga Moyo. Alors comment vous pouvez être fier de vous appeler, de vous faire appeler Fumabanga Moyo alors que votre commune vit dans un enclavement indescriptible, un enclavement total. Nzela Malongezate, il pas si mingi moyenté. Alors, pas trop de commentaires, je voulais suivre les images. Merci. Pas filmer en peinant qu'il y a. Non, c'est fou. Ah, filmer les bains. Il y a un gars qui a payé. Il dit non, il y a un gars qui a payé. Il dit non, Mbote papa. Ah mbote papa nanga monsieur journaliste mbote. Est-ce que vous sourez bien tout ça avec? Awa toza na commune d'accès précisément Wenza Bambo quartier qui tient kozamo panzoyo na ngam otobenga ngo lubwaku pour kende na frontière ti au quatre amonga fou la Tchad. C'est ça. Alors to moni ba misala ya disons ba outil ya travail ezawana nzela et katana est-ce que okoki koyibisa biso le pourquoi ya kokatana ya misala koto. Bon kokatana misala koto en tout cas to yambaki penza initiative ya l'état. Il y a programme, il y a 100 jours, il y a président. Tout le monde a pensé que oui, ça va parce que bah, il fallait Makadame Longwa Awa et Banda Campus et Ebimati na Matetekuna. Donc, c'est un petit peu Matete na Campus. Mais, misale Banda qui malamo, bah, c'est ce que non. Il fallait bah, bateau bah, kota la banzela bah, bouka banda ko bah, financer bambo on a pas ça misala il est maintenant aux Zélandais le retirer qui parce que bah si bah falta que tigala qui siko yo bah banda ko fongola pour bah récupérer nzela place bah carnivore bah ni ni pour bah ça misala mais si bitima et langa mobimbe le qui caraboye et le romo côté mboule bandi tu bandi comme on a bah désastre si on moni bah cimetière bandi ko boukana. Bino mo bozu image banda na Silivi kuna na cimetière a Mindela kala cimetière a Campus. O bozo mona oza cimetière ya Kisenso kala o banda okunda bato. Alors nzela ya bozo mona depuis wana ti siko eloko moko te. Bambu le betia makasi berozo bato bakufe moni ti kata ki nzela ya Elimos na Elimos santu kuna ti koto bato bakufa ki. So landi bozo tali a so kititi na se kuna na se. Oko mona kuna bato bazaya sou se komi inhabité désert. Parce que ni banda ka bato kundami bato bakufa ki mais bateni coste même bato bakufa na bambula o leta kunda koto to kundi bato bisomoko mo gouvernement pensa ki mon tete tete ba pensa ki wapi mais to kundi bato bisomoko no problème to za na format to ba sala no ki penza ba so ki za financement na ba na bato sa matata ba ko sa po koto to za solution sino tete zo kufa to zo banga so bambula ni banda so ke bandi to ko suka wa. Parce que Banzela auto bande ko sala na ba ONG na fort personnel de la population pour to encadrer mai et combattre et déranger bato. Mais tant ou bango ba tout monde ke ba sala bien ba sala ba caniveau nde ba longola ki surtout ni celle comme ce polele donc support ya mai zate. Mai ko ta kuna likolo ko ta campus, mai ko ta ki sen sous likolo surtout ko ya oye outil likolo et zo ko suka ao. Tant ko ta la sebe na se kuna désastre.
ce qui beaucoup tient à ces bottes caméra n'a bien beaucoup moins n'a donc ça ne va pas. Alors bah, député au bino vota baza si qu'on a vacances parlementaires, est-ce que parmi bango quelques-uns bah les cas qui a probablement tala quand même était en zéla pour qu'il passe à la rapport na bureau à l'Assemblée nationale. Papa banda to vota qui bango banda babimaki. Tous les mois, on a des cas, bah, monsieur, bah, on a des fiefs, na bango. Et si bah, tout, bah, personne, bah, on pouvoir, bah, l'obéir, bango. Bah, soit qu'on remercie pamba. Mais biso, ah, on a amba. Tout le monde est l'autre côté. Tout le monde attend, tout le monde côté. Même pas honorable Steve Mikai, même pas mon finou banga moyo papa Néron Bungo, auto kumisaka na banga moyo. A comité, même mukolo oyo bat bakufaki. Bah, ceux qui gagnent, qu'on aime, bah, comme côté, t'es personne qui biso passe. Babina tanga passe nde baye bakamutu malamu me oba ba otopona pa balobela biso me to kufeli ba makamutu kweli to moni ata mutute ni aide ya leta tisiko to zobunda okunda mabulu to ba ko batela soki mbule beto kosuka wapi no message no yasuka na ba autorite oba dolanda message na nga asuka ezaboye kisenso ezamboka te eza na kati ya capitale alors to za na nzela moko te o eza makadamisé. À part moi, je suis un célèbre solicolo, je suis un et souki na wenza prince, et zapen dame ko souki te. Jusqu'à côté, je suis tous les zélate na kisenso. Tous les wenza malamute, tous les sikabana, bakoko se joue te stade municipal les athe. Donc, ma kamose belé, ba hôpital les athe, ba chambre froide les athe. So qui nzela o e salami. So ba célèbre son zela o na banza, et kolon la son amoua ghetto, et kolon la son amoua enclave. Parce que tu as bien que tu as bien que tu as la que tu as bien 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 que tu Et nous sommes ici à Kisenso, dans la commune de Kisenso, sur la direction qui commence de l'intendance jusqu'à Matete. Mais je crois que la route qui mène vers cette direction, elle est tellement dégradée, elle est dérangée, elle a tellement de ravins. Pour nous qui sommes étudiants, les commerçants, tout le monde, nous sommes vraiment... sans espoir. Vraiment, nous demandons au gouvernement en place, gouvernement provincial et aussi national, d'agir pour notre faveur. Je pense, nous sommes des étudiants, mais nous traversons des moments très difficiles. Alors, il faut rappeler que les étudiants qui étudient à l'université de Kinshasa et qui habitent Kisenso sont obligés chaque fois de faire les pieds de Kisenso à l'université de Kinshasa. Il n'y a même pas une moto. Certes, nous sommes obligés de faire les pieds parce que les routes sont tellement dérangées. En dehors de ces dérangements, il n'y a même pas moyen de prendre un moyen de transport parce que les routes, l'état des routes est vraiment dégradé. Toutes les routes ne sont pas en bon état. C'est pour cela que nous lançons un appel au gouvernement national et provincial de prendre des mesures préventives pour nous étudiants et non seulement nous étudiants, pour tout le monde qui habite Kisenso, pour tous les habitants de Kisenso, afin de trouver une solution un peu rapide à ces problèmes que nous sommes en train de traverser. Les députés sont pendant les vacances parlementaires, vos élus, vous leur avez voté aux élections du 30 décembre 2018. Est-ce que parmi eux, il y a quand même certains qui sont revenus pour voir comment les choses se passent ici? Oui, en tout cas, sur ce point, je vais un peu réajuster. Les élus, leur travail, ce n'est pas vraiment de réhabiliter les routes, mais de... Je n'ai pas non plus dit ça aussi. Ma question était plutôt celle de savoir, est-ce que vos élus reviennent ici de temps en temps, prendre en compte vos difficultés et les ramener au niveau national? En tout cas, nous n'avons vu aucun élu pendant ces moments de vacances venir auprès de nous pour demander nos doléances, nos soucis. Aucun élu n'est venu auprès de nous. C'est pour cela que nous leur lançons cet appel de venir. Il y a encore du temps. Le 15, c'est encore, il y a encore quelques jours avant d'arriver le 15. Nous les lançons cet appel de venir prendre les doléances auprès de nous afin de ramener ça dans les différentes assemblées afin de résoudre pour nous ces problèmes. Merci beaucoup. Merci. Fin de notre ronde ou notre tournée qui a commencé sur l'avenue de l'université dans la commune de Lemba avant de chuter ici à la commune de Kisenso où vous avez en tout cas vu, vous avez palpé du doigt les réalités, plutôt les difficultés rencontrées par les populations et de la commune de Kisenso et
de la commune de Lemba. Mesdames et messieurs, on n'a pas beaucoup de commentaires à faire. Les images ont parlé. Merci à Jacob qui était derrière la caméra pour vous montrer ces belles images. Merci à toute l'équipe et à toutes les autorités de Congobès Télévision. Un seul message. Je vais m'adresser ici à M. Nerombungu Fumabangamoyo. M. Nerombungu, je vais le dire à Lingala en tout cas, Babenga Fumabangamoyo, Mufinuka Bangamoyo. Mais à voir ce que j'ai pu constater ici, Nakisenso, en tout cas, vous ne méritez plus ce nom. Agissez, 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 ça fera énormément du bien à cette population de la commune de Kisenso. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.